Dans notre hémisphère, la durée de l'hiver est de 99 jours. C'est la saison la plus courte. En réalité, le froid s'installe 6 mois environ. En automne, il rôde l'air de rien avant de gagner les collines et de se rapprocher par les plaines. Là, il accélère le pas et prend la forêt en étau, comme le ferait une mer qui monte. Une fois qu'il nous a saisis, le mieux que nous ayons à faire est de trouver l'équilibre entre un mouvement qui nous permette de vivre et une économie de gestes qui nous permettent de ne pas mourir. L'hiver, notre lieu de vie, me fait l'effet d'une station de recherche. L'été, je trouve qu'il ressemble à un refuge. Maman et moi vivions ici depuis un peu plus de 3 ans, quand nous avons reçu le coup de fil. Au milieu des pins, des chênes et des bouleaux, au bout de ce chemin sans issue que 2 autres propriétés jalonnent, c'est elle qui m'avait proposé de nous installer ici. Et je n'étais pas contre. J'avais grandi dans cette forêt. Le lieu m'était familier et je savais que nous nous y sentirions en sécurité, qu'il serait le bon endroit pour vivre à notre mesure. Je n'en étais plus capable en ville. J'y avais usé l'intégralité de mes rêves et bien pire. Maman y avait perdu notre père. L'une comme l'autre, n'y trouvions plus notre place. Nous avions besoin d'un rien qui nous allège et nous emplisse à la fois. Cela avait été un peu étrange au tout début. Il m'avait fallu du temps pour me réapproprier les lieux comme une adulte et pour ne pas laisser les souvenirs prendre toute la place. De l'eau avait coulé sous les ponts depuis mon enfance ici. Maman et moi revenions seules et lourdes, nos épaules chargées de pierres douloureuses qui roulaient le long de notre colonne vertébrale, ralentissaient nos pas. Et parfois, les jours sans soleil nous faisaient perdre l'équilibre ou le sens de la marche et des choses. Ces jours-là, nous acceptions l'une comme l'autre de suspendre nos vies aux branches des arbres et de rester là sans parler, sans manger, et même parfois sans bouger.